Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en grande forme avec ce beau temps qui revient et le printemps qui arrive et que vous commencez à bien vous entraîner pour être en pleine forme cet été. À ce sujet, je vais faire une vidéo où aujourd'hui on va parler de puissance avec le driver ou avec les autres clubs. Un point qui revient à chaque fois si vous regardez les swings de professionnels sur le tour européen, sur le PGA Tour, etc. Et que certains amateurs ont du mal ou ne mettent pas en place naturellement. Ce point, il va parler d'ici de notre jambe gauche dans le mouvement et surtout au début de retour quand on va entamer la rotation avec le bas du corps. Très souvent, vous pouvez vous filmer d'ailleurs pour voir si vous faites ça bien ou pas. Si vous le faites bien, ne le travaillez pas. Si vous faites ça, entre guillemets, pas bien, vous pouvez travailler sur cette vidéo. Ici, très souvent, au retour, certains amateurs ont la jambe qui reste trop à l'intérieur ici, ce qui limite leur rotation et qui limite l'appui au sol pour aller chercher l'énergie et le restituer en haut du corps pour avoir la puissance. C'est notre genou gauche ici qui reste trop au retour à l'intérieur, déjà qui monte trop à l'intérieur et qui reste trop à l'intérieur, donc à notre droite pour les droitiers, et qui ne vient pas assez se ressortir ici pour après, bien sûr, une fois qu'il est bien sorti et qu'on a entamé la descente, s'extendre pour aller dans la position d'impact. Ce genou ici, il faut qu'en début de retour, il vienne s'ouvrir. Et la sensation que vous pouvez avoir, vous pouvez le faire chez vous déjà, peut-être si vous êtes dans votre salon, c'est quand vous repartez, de faire tourner votre pied dans votre chaussure. Vous venez appuyer sur votre talon gauche ici et vous faites tourner votre pied dans la chaussure. Vous devez sentir une petite rotation du pied dans la chaussure. Et pour avoir cette rotation ici, il faut que le genou, il s'ouvre. Et à quel moment vous allez essayer de faire ce mouvement dans le swing? Eh bien, ça va être sur le début de descente, montée, descente ici, où vous allez sortir ce genou vers la cible. Au début sur la reprise d'appui et ensuite ça vient se tendre ici. Je vais vous faire un swing, je vais vous mettre ça au ralenti après pour essayer de bien voir ce mouvement et je vous invite même après à aller sur YouTube regarder quelques vidéos et vous allez voir que ce mouvement revient à chaque fois. Certains joueurs gardent le genou à la montée bien à l'extérieur, certains le laissent un tout petit peu partir pour aller dans la rotation, mais ensuite derrière ça revient toujours là. C'est parti pour un petit swing. Donc moi j'essaie vraiment, quand je le travaille, de le sentir à l'avance, donc comme ce que vous allez faire ici, tac, ici, tac, et ensuite j'y vais. Ouh, mes aïeux. Oh, celle-là, elle est lourde. Hein. Ouais, je suis peut-être sorti du practice. Non, je fais... Donc voilà, je vous mets un petit ralenti, je viens de vous le mettre. Ici, ce genou, donc vous vous mettez à l'adresse.
Vous vous entraînez sur la reprise d'appui à le laisser sortir et vous devriez très rapidement avoir des très bons résultats et surtout avoir une très très bonne sensation d'engagement vers la cible et dans la balle. Voilà, cette vidéo se termine. Je me permets juste de vous inviter à aller voir le site internet enseignement qui est en dessous de la vidéo. C'est le printemps, c'est l'occasion de venir me rencontrer en cours ou éventuellement en stage pour ceux qui habitent plus loin. Donc je vous mets le site internet enseignement. Une fois sur le site, vous avez toutes les informations. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vous abonner aussi en cliquant juste en bas à droite sur votre écran. Me lâcher un petit like, c'est super quand les vidéos sont likées. Merci beaucoup quand je vois mon travail être reconnu. Et voilà, moi je vais retourner un petit peu m'entraîner. Je vous souhaite un très très bon entraînement. Et il y aura une vidéo la semaine prochaine encore. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.